Voilà, bah en fait là nous on part du d'un modèle 3D, donc nous on fait de la sculpture numérique, donc on verra ajouter de la matière, on sculpte vraiment le dessin d'après le modèle d'après-dessin, on vient lui donner son format 3D. On a une partie d'interprétation qui est assez libre, donc on fait des propositions en plus, voilà, et tout ça c'est donc modélisé en 3D et après on le clean et on l'envoie au programmeur. À notre tour, une touche artistique qui nous permet enfin, avec tout cet amalgame, de créer un char entier. Et nous ensuite on va l'amener vers Brian qui fait tout ce qui est programmation usinage. On va tout programmer directement sur le logiciel spécifique à notre robot. Là vous voyez notre modèle de gargouille. Donc qui correspond du coup à ce bloc là. On va placer toute notre trajectoire, tous les mouvements qu'on veut que la mèche fasse pour usiner autour du bloc et du coup enlever la matière pour donner le modèle final.